Oh. Oh. Moi, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit PA qui passe. Hein. Le jeu est correct. Je pense que pour de la revente, ça met toujours bien. Il y aura toujours des gens qui vont chercher ça, voilà, à des prix abordables, pour leur mettre leur petite exopéa sur leur stuff. Voilà, un G plutôt acceptable, donc c'est pas mal. Ça fait plaisir. C'était la plus petite rune que j'avais à mettre. Bon, que faire de la force? On va demander un peu l'avis du chat. La force, ça nous met dans la sauce. Hein. J'ai presque envie de monter à 79, elle a pas faux. Franchement, j'ai pas trop d'autres options, sinon c'est dégueulasse. Hein. Bon, là, toute la fin de l'item est maxée. Donc ça va plutôt mettre bien. Il y a le crit qu'il va falloir gérer. Là, je pense que là, c'est 79. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Sur une grosse ligne max, alors attendez, je vais peut-être compter le puits avant. Ça ressemble à du 0. Donc là, j'ai 94. Hop. Allez, de une qui passe, il m'en faut encore une à tout prix. Sinon c'est trop dégueulasse pour être joué. Yes. Franchement, c'est ok. Le reste de l'item est très bien. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je m'occupais de la Vita. En 3. Que je peux baisser avec une rune faux. Qui peut peut-être crit dans le meilleur des mondes, ok. Mettre le crit. Ok, moins 20. Écoutez, c'est pas mal du tout en fait. C'est insane. Bon, il faut qu'on monte la force, hein. On n'a pas trop le choix, faut y aller. Il reste 44 pour la force et la sagesse. C'est ok. Moins 20. 24 de puits. Écoutez, on peut mettre. Déjà là, c'est pas mal. Hein. On va y aller là, comme ça. Hop. Les petits crits qui mettent bien. J'ai moins 9. Reste 15. Écoutez, on va mettre une passa encore. Je pourrais mettre un. En vrai, je pourrais tenter le crit Rasa. Mais bon, c'est l'item d'un abonné qui fait pas souvent des brisages et tout. Je vais pas lui mettre une Rasa, je veux dire. Je vais pas lui mettre ça. On va faire une passa. Ça passe. J'ai 6, ça me fait 6 tant à faux. Franchement, l'item, je pense qu'il n'est pas simple à faire. Dommage, on n'aura pas le petit crit qui fait plaisir. En 2.57. Oui, c'est Grifox qui régale, évidemment. Hein, astuce Kama, faites faire vos exos par Grifox et ça régale. En vrai, il est cool, ça c'est un G revente full bénef. Donc, bah, GG à toi. GG à toi, petit pilotaire. Ah, tu l'as pas signé, tiens. Je me suis dit, je mets pas de rune signature, comme ça je te laisse le mérite de la signature de l'item, mais non. Ce sera un exopéa anonyme, full random, mais full bénef. Ça, c'est vraiment le jeu nickel pour la revente. Bien vu. On a. Ça, vous voyez, c'est le syndrome. Comme j'ai fait récemment des vidéos amulettes Cthulhu, il y en a plein qui se sont mis à en faire pour me troller, en fait. Il m'a dit que je devais faire quoi là-dessus? Fais ce que tu veux pour la mue. En vrai, on va mettre dos perdu. Dommage distance. En vrai, un crit là-dessus, ce serait encore mieux qu'un crit de PO ou je sais pas quoi. Et non. Les amis, pour ceux qui se rappellent de cette Dorabis, c'est une coiffe que j'avais faite en brisage PA en vidéo il y a quelques jours. Magnifique G, j'avais vraiment un tryhard de ouf. On avait eu tout pile le poids, je me rappelle, enfin tout pile le puits, à un près pour passer la dernière rune qui était la rune tacle. Et on a vraiment les 30 repos, on a vraiment un truc hyper clean, moins 4 vita, moins 2 sagesse sur un item sans puits qui est assez dur à faire. C'est une tenta PA qui est proposée sur le stream français. Écoutez, faut cliquer. C'est en tentant des choses que des fois il y a des items de fou qui sortent. On va juste cliquer sur le PA et on va espérer qu'il se passe une dinguerie.
Let's go. Pas de PA. Je salue l'ambition. Je salue l'ambition de l'attentat. Il faut des fois faire des trucs comme ça, c'est comme ça qu'il y a des beaux items qui circulent après. Tant pis, peut-être une autre fois. Repassage d'un PA pour l'amulette d'un abonné, mais bon, évidemment, il fait ça pour me troll parce que j'ai juste passé 3 semaines sur l'item. Évidemment, la technique, ça c'est la spéciale Grifox, la rune de signature quand on n'a rien fait, hein. Ça je maîtrise très très bien, c'est opti parce qu'en fait, ça fait tellement rager les gens dans les commentaires YouTube que ça me fait monter mes vidéos dans le référencement et ça me fait plein de thunes. Donc ça, GG à tous, est-ce que ça passe? Évidemment, quand c'est pas mon amulette, ça passe, parce que, en fait, comment vous dire que j'ai passé 3 semaines à faire ça sur cet item, j'ai eu genre, franchement je crois pas loin d'une dizaine de tentats perd 3%, et c'est bizarre, c'est quand c'est pas mon amulette que ça passe, c'est vraiment unlucky. Et pour ceux qui ont suivi l'anecdote, suite à mon insomnie, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de cette amulette en plus, en 3% res R. Bon, je vais peut-être la prendre quand même, si on me la vend à un prix correct, ou peut-être si on me l'offre, tout est possible. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Bah, écoutez, GG à tous, hein, je sais pas quoi dire de plus. Voilà, ça régale, ça passe tout le temps sur les amulettes des autres, mais pas sur la mienne. Alors, je pense que j'ai pas assez tryhard l'item, si vous voulez. Je dois avoir mis quoi, 40 millions de runes dessus, 3 semaines de FM. J'ai pas assez tryhard, je la méritais pas, voilà. Je la méritais pas. Je mérite juste d'avoir ma signature sur une amulette que je n'ai pas faite. Voilà. Je suis le pire joueur, en fait. Mais dites-le. Allez, hein, on s'attarde pas. On se fait du mal, là. On va essayer de regarder autre chose très très vite. Donc on commence avec un... comment ça s'appelle? Botonyme. Moins 2 sagesse, 2% reste neutre. Et il me dit, mets ce que tu veux. Donc là, évidemment, il faut tenter le crit plutôt de dommage distance. J'hésite un peu entre dommage distance et peut-être... bon, déjà, il a pas de dommage mêlé, mais sur des modes à multi comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des trucs genre sur des steamers embuscades ou ce genre de machin. Encore que cet item, je l'ai jamais vu trop jouer, mais je pense que sur des modes un peu multi, dommage distance est plus intéressant. Donc on va essayer de crit ça. Voilà, si on crit, c'est plus intéressant qu'une invoque ou qu'un truc comme ça, il y a déjà le PO. Moi, je suis partisan de mettre plutôt les invoques et PO sur du 3%, et quand on a 2%, de mettre ce genre de runes. Bon, c'est discutable. Écoutez, c'est maintenant, les amis. On clique, c'est parti. Et ça ne passe pas. Pas de chance. Alors, on va commencer par un Kidibonnet 2% haut, avec un moins invita. J'ai bien soigné. Alors, pour le coup, Kidibonnet, c'est plutôt un PO, parce que c'est toujours intéressant. Hein. Kidibonnet reste haut PO, c'est toujours cool. Merci à toi Volka pour le raid. Bah, pile au bon moment, on est en train de faire des tentats. On est en train de faire des tentats exo sur des très gros jets. Donc là, on est sur une petite session. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur le live. Vous arrivez au bon moment. Vous avez juste raté une tenta PO sur des belles choses. Les amis, le PO sur le Kidibonnet 2% qui ne passe pas. Le Dorado. Moins un sagesse. Attendez, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Excusez-moi, normalement je prends le temps de le faire, mais là j'ai été pris au dépourvu. Je vous présente mes plus plates excuses pour se rater en direct. C'est vraiment une honte qui s'abat sur ma personne. Je vais essayer de rester digne. Alors, on a un Dorado moins un sagesse, 2% dommage distance. Ça c'est quand même assez badass. Alors, moi j'ai vraiment la sensation que cet item, je vois aucun mode dans lequel c'est intéressant. Moi, jamais dans mes théories craft, je me suis dit je vais jouer un Dorado. Mais il y a quand même un potentiel, et peut-être que quand même pour pas mal de choses, il peut être cool. Dans tous les cas, le 2% de dommage distance sur ce G, ça fait plaisir. Est-ce qu'on passe le PA? Ah, c'est pas de chance, le PA n'a pas voulu. Allez, le plus beau, c'est le plus beau item, hein, vraiment. Les amis, un pas de greffe, full perf, over 5 vita, c'est-à-dire que, en fait, en exo sur un item, vous pouvez avoir 101 au maximum. Tout confondu, over exo, et 5 de vita ça pèse 1 et le PA pèse 100. Donc en fait, ça c'est le plus haut G sur lequel on peut tenter un PA. 106 de vita, on pouvait plus tenter le PA. Donc là, et si on passe ça, on a vraiment un item qui ne peut pas être meilleur. Donc là, c'est vraiment, si ça passe là-dessus, c'est vraiment une pépite incroyable.
Et les amis, je peux vous dire que ça régale. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'histoire de Dofus, rentrer dans l'histoire de la Forge de Magie, et passer un PA sur ce jet absolument sublime? Allez, il faut oser. Oh, je suis désolé, j'ai pas bien cliqué, j'ai pas bien cliqué sur la rune. Non mais il faut le dire, hein, faut le dire, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon sur les exos. C'est, oh là là. J'étais sûr que ça passerait, je ne sais pas, bon. J'ai du mal à faire quelque chose. Tant pis, c'est pas fini, il reste encore un très gros jet. On a fait les deux élans de l'Ourson, hein, oui. Il reste... Hop là, petit Valet Vénard. Bon, si vous voulez... il manque un de Vita pour qu'on ait l'attentat PM parfaite. Donc là, en fait, non, c'est lui le plus gros jet. Je vous ai menti, je vous ai prank. C'est encore beaucoup plus dur de voir une tenta comme ça, comme le pas de greffe. Et oui, je vous ai eu. J'anime mon stream de façon absolument incroyable, hein, tout le monde en conviendra. C'est vraiment du haut level. Donc bah là, il manque un de Vita pour avoir l'attentat parfaite, mais c'est déjà une dinguerie. C'est déjà une dinguerie. Vraiment, le full perf over 54 Vita. Moi, j'en avais un en 348 Vita à une époque, un Valet Vénard PM comme ça, mais un 354, j'en ai jamais vu. Et écoutez, on me dit non, pas de greffe, 100 fois plus dur. Peut-être que la pas de greffe est plus dure à FM, mais quand même, l'idée d'avoir une tenta perf over 54 Vita PM sur plus PO, spontanément, ça peut paraître quand même plus ouf que juste une tenta over 5 Vita sur plus PO. Mais c'est vrai qu'effectivement, vu les lignes, je pense que le pas de greffe en soi est plus dur à FM que le Valet Vénard. Donc on va dire ça se voit à peu près. Mais ça me ferait encore plus plaisir de le passer là-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Ah, c'est vraiment unlucky. C'est vraiment unlucky. 94 depuis, c'est magnifique. On a évidemment la petite païnée pour ne pas rester en sous-jet, par exemple. Ensuite, la ravie. La deuxième ravie, moins 20. On a le perf à la rune pod. On a par contre la sagesse qui nous troll. C'est pas de chance. On va mettre... il faut over, là, c'est chiant. Ah, ça va coûter très cher, ça. Ah, bah là, c'est un peu... C'est un peu compliqué. En plus, j'ai du sujet partout, là. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. C'est pas l'attentat la plus palpitante qu'on ait faite sur ce stream. Allez, les crits qui rattrapent un peu. Oui, ça me va. Tac, tac. Tac. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à compter le puits? On peut se poser la question. Je vais PA maintenant. Ça passe. Parce que l'idée, c'est que là, en fait, je vais essayer d'opérdi. Et que peut-être ça peut me casser le PA, genre d'opérdi, auquel cas j'ai plein de tentats d'opérdi, vous voyez. Et ça, c'est pas mal. Et on n'aura pas cette chance, malheureusement. Je vais commencer par pas ça. Ça fait tomber le PA. Bon, j'aurais aimé pouvoir... En fait, mon espoir, c'était d'avoir la passa qui passe, et après d'essayer de la faire tomber à 37, et ensuite de spam les runes soins quand elle est à 37, pour espérer, évidemment, avoir le perf sagesse. Bon, bah, on n'aura déjà pas du perf, donc ça fait un peu de la peine, mais bah, écoutez, c'est comme ça. Donc on a... 100, on a 0,5 techniquement, avec les initiatives, on va les compter, mais bon, c'est un peu osef. Moins 9. On a 91,5 depuis. J'ai 37 de Vita à dégager. En vrai, on va ravi. Moins 20. Le chat me dit 101 passe 100,5. Pourquoi? C'était 5 ini, hein. Ne commencez pas à me perturber, c'est déjà... Hein, c'est... Bon, voilà. Donc, j'ai 37 à dégager. Si j'avais... Bon, à la rune pod, je peux faire du moins 13. Donc, je peux faire un moins 26. Je peux faire... Si j'en fais une à moins 13, il faut que j'ai 24 qui dégage. Et si j'en fais une à 26, il faut que j'ai 11 qui dégage. J'ai plus de chances de dégager 11. Donc, on va y aller à l'ini, tiens. Enfin, à la J, pardon.
Il me faudrait du moins 6. Ok, j'ai un moins 6, c'est très cool. Il me faudrait vraiment un deuxième moins 6. Non, il me faut un moins... En fait, non, c'est ok. Maintenant que j'en suis là, il me fallait moins 11. Si j'ai moins 5, je fais deux potes, j'ai le perf vita. Et si j'ai moins 6, je tente un dommage et je peux encore avoir le perf vita. Voilà, donc là, typiquement, je vais mettre deux feux. Bon, on n'a pas le perf, enfin on n'a pas le deux feux qui passe, mais on a le perf vita. Déjà ça régale. Ça c'est pas mal du tout les amis. J'ai oublié de prendre mes runes de signature, je vais vraiment rien le signer sur la transe derrière, on verra ça plus tard. Il faut que j'over maintenant, il faut que j'over. Yes, moins 10. Je récupère au dommage feu. Tac. Là, tu une petite rune, je vais vérifier que c'est... Là, c'est le moment, faut pas faire le con. Ok, la petite rune force. Qui ne passe pas. Alors, j'ai très envie, il me reste combien? 61. On va commencer par le soin. Easy. Je pourrais sécuriser le dommage R, mais je vais faire. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire Raage, ensuite dommage R et Tenta Sagesse. Oh putain. Il reste deux temps. J'aurais peut-être même dû faire une de moins, parce que là, si le dommage. Putain, le dommage R passe pas. Putain, ça me met au fond. Bah, faudra en briser un autre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faudra en briser un autre. On va mettre l'esquive PA. Bon, bah alors on est parti. Hein. Ok, ah, cool. Les congruences sont très très bonnes, les amis. Ça, c'est génial. Bon, alors on avait 7, moins 3, plus 11, moins 10, plus 90, 95 de puce. Ah, c'est trop bien. Je suis trop content pour lui. Déjà, on a le perf Vita. Bon. Je serais tenté de faire l'over sagesse si vous voulez, pour aller chercher le perf sagesse. On peut à 30. Hein. On va pas faire le con, on va déjà lui sécuriser un bon G sur l'item. Alors la Vita, on est à 300, mais on est en sous-G parce que le Gemin c'est 31. Mais on va commencer par l'over parce qu'on va faire 70 into, enfin 73 à J et on récupérera 3 sur la force. Et comme ça, on est bien. Donc on va commencer par ça. Oh, les crits qui nous régalent, c'est fou. Je crois que ça, c'est le brisage qui commence le mieux de tout ce que j'ai fait sur cette carapace, qui est quand même pas évidente à faire. Donc là, on récupère ça comme ça. Ça passe en plus, nickel. Moins 6. Ensuite, on est en sous-G sur la Vita, donc on va tout de suite s'en occuper. Moins 20, ça va, c'est ok. On est en sous-G sur l'esquive PA. On laisse pas. Quand je dis sous-G, ça veut dire que la stat de l'item, de la ligne, elle est en dessous du minimum. Et ça, en général, les items n'aiment pas trop. Ça fait que toutes les runes passent moins bien. Bref. Donc, déjà, on a les trois premières lignes qui sont perf. Déjà, ça régale les yeux. Ça fait du bien. Maintenant, on va juste monter un peu toutes les lignes et espérer que ça se passe bien. Il n'y a plus trop d'over à faire. Bon, évidemment, j'aimerais over sagesse, mais on va pas abuser. Si on arrive déjà à un perf 29 sagesse, ce sera déjà un miracle. Bon, déjà, on full crit, donc on se régale. Ça c'est insane. Il va falloir repasser le crit au bout d'un moment, donc ça on verra. Là j'ai moins 5. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec les crits là? Merci, merci pour ton resub, Kadarak, merci, ça fait plaisir. Alors, je vais essayer de ne pas perdre le compte. Ça se passe vraiment hyper bien. Là, c'est le meilleur début de brisage que j'ai sur cet item. Ça a full crit dans tous les sens, c'est absolument un délire. On va mettre une passa maintenant. En fait, là, je bourrine. Non, mais si vous voulez, ça régale, quoi. Allez, maintenant qu'on est parti, on va en mettre une autre. Okay. Je me disais peut-être qu'on est sur. Ce que je fais, en fait, vous voyez, c'est que je mets toutes les lignes juste en dessous du max. Parce que là, à ce moment-là, ça veut dire que les runes passent encore à fond. Bon, la sagesse, on va la laisser comme ça pour l'instant. Maintenant, on va juste mettre les runes dans l'ordre de priorité, on va dire, d'un point de vue G conventionnel, puisqu'il veut quand même jouer avec trans. Donc là, j'ai moins 12. On va faire tac. Hop, moins 10. Il faut le crit à tout prix. Là, ça va être technique. Il faut vraiment qu'il passe. Nice.
Moins 10, et il reste 6. Je vais lui mettre la fuite. Je vais lui mettre la fuite. Ça aurait été cool qu'on ait un de plus pour l'esquive PA éventuellement. Mais ok, ça passe pas, il reste 2. J'ai pas grand chose à faire avec 2. Ça sert même à rien que je tente. Enfin, si techniquement je peux tenter. Si on veut vraiment faire le beau jeu, je peux tenter un crit à la rune Ré-R. Enfin, Ré fixe quoi. Si je crit, je gagne une tente à fuite. Et si elle passe en succès neutre, il faudra que je la dégage. Ok, ça va pas crit. Il n'y a plus de puits, donc là maintenant je peux plus me permettre de faire le con. Donc il faut juste que je la vire avec une autre réfixe. Espérant qu'il ait ça sous la main. Alors là c'est le moment où il faut pas confondre une repou avec une parépou, sinon c'est juste la sauce. Repou. Je vérifie. Hein. Ah bah c'est marrant ça. Alors on peut faire ça longtemps. Hein. Non mais toute la soirée, j'ai toute la nuit, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, elle est dispo pour trans. Donc, écoutez, petite arrêter là-dessus. À mon avis, ça va plutôt être pour PVP, du coup, s'il met des raises. Hop. Je signe toujours sur la trans, hein, pour ceux qui rageaient. Je trouve que quand on trans, on signe la trans, comme ça, c'est réglé. Hop. Donc, anneau pas de greffe, full perf, over 20 vita. Est-ce qu'on a un PM là-dessus? Pas de PM. Là, on a over 4 vita, moins 1 sagesse, perf le reste, encore très très clean. Pas de PA. L'Alliance Glourson, celle-ci est magnifique. Vraiment magnifique. Over 2 vita, moins 1 sagesse. Traja. 82 depuis. On a enfin une bonne sagesse, la force est perf. Il nous faut la pavie, sinon on ne pourra pas avoir le perf. Yes. 3. Petit crit, ok, on s'en sort plutôt bien. J'ai 23 à dégager, on va faire. Mais toutes les lignes sont maxées en fait. Les amis, le full perf. Le chat m'a convaincu de ne pas arrêter trop tôt. Alors attendez. J'ai l'impression que quand on met la fuite, la pote t'as plutôt dans la vie plutôt que dans la fuite, alors que j'ai la fuite qui est en over aussi. Ça a l'air d'être, c'est un comportement qui est intéressant, ça fait plusieurs fois que j'ai ce cas de figure et ça tape dans la vita. Ça régale, peut-être intéressant à creuser. Bon, j'ai plus 0,1. Le crit. Mais on a une tenta monstrueuse les amis. Moins 7, 62. On peut tenter. Un crit, il m'en faut encore un et je gagne une tenta. Voilà. J'ai donc 10 tenta. Les amis, on a 10 tenta sur full perf. Franchement, bah c'est la dernière tentative de la soirée, le chat m'a convaincu d'en faire encore un peu. C'est donc la dernière de la soirée, c'est la troisième dernière de la soirée, mais celle-là c'est la vraie dernière de la soirée. Et on a full perf, 10 tentats repair. Allez, c'est peut-être maintenant que je vais être récompensé pour tous mes efforts. Allez, les deux. Yes. Je pense pas mettre un peu dans le puits, hein. Je suis fatigué mais... Je pense que c'est ok. 3%. Full perf. Il y en a un qui a été passé récemment. Sur Jol, il est à 50 millions, à peu près, je crois. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On commence à avoir investi un peu de temps et d'énergie dans cet item. Est-ce qu'on peut avoir la chance que ça repasse? Arrêtez, ceux qui mettent des à l'aveugle, faut bannir. Hein. C'est le moment le plus intéressant et le plus stimulant de repasser le PM et vous voulez ne pas le regarder. C'est vraiment genre... c'est comme si le jour de votre mariage, vous fermez les yeux en fait. C'est incroyable ça. c'est quoi cette mentalité de mort? On regarde le PM, on clique. Voilà. Bravement. Dans les yeux, dans les yeux. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai cliqué, il est pas passé. C'est pas de chance.
82 de puits, 38 de sagesse. Il me manque un. Est-ce que je pense pas avoir de rab en vrai, mais je vais tester. Là j'ai moins 5. Ouais, non, je pense pas avoir de rab. Tenter un crit intel. Tenter la sagesse en vrai. Ah oui, c'est vrai que ça passe tout seul maintenant. Et oui. Et oui. Bon, allez, hein. On va arrêter de cliquer sur des trucs qu'on comprend pas. On va juste passer des raids en fait, ça va très bien se passer. Magnifique. 2% de nul à chier comme d'hab. On a le PM. Est-ce que j'en mets le PO ou pas? Oui, il faut que je PO, je pense là. Dites-moi que j'ai les runes qu'il me faut. Dommage mêlé. C'est pour jouer sur un mode dommage mêlé. Si ça crit, ça sort un très gros jet. Parce que là en soi, ça va, c'est pas intéressant. Enfin, c'est de la merde. C'est même pas perf 2% aux F1. Allez, il me faut le crit. De puits. Bon, ça fait 1000 ans que je suis à 40 sagesse, que j'espère que le PM tombe. Évidemment, ça tombe juste quand je suis à 38. On connaît l'histoire, hein. Ça c'est très classique. Bon, là, il me faut un. On va espérer le moins 31. Bon, bah, on va pouvoir. Ah, bah non, on va pas pouvoir. On va rien pouvoir du tout en fait. On va juste se faire baiser. Bah écoutez, c'était un régal, hein. Hop, super. Tous les coups, c'est là-dessus que ça va repasser à la fin. On connaît, hein. On connaît le jeu. Ouais, j'ai été joueur sur le moins 31, j'aurais pu faire un truc plus safe, mais. Évidemment, c'est sur la vieille Vita de mort que j'ai eu mon 3%. Évidemment. Mais. Mais c'était sûr en fait, je sais pas quoi dire de plus, c'était juste obvious. Est-ce qu'on remet le PO en vrai ou pas? Mais ça fait 7 streams que je me casse la tête à faire des beaux jets. J'ai le pire truc de merde du monde. J'ai 346 vita, j'ai 38 sagesse et j'ai 3% là-dessus. Est-ce que je PO? Renaudot, j'ai envie de PO. Est-ce que je PO ou pas? Pas de PO. Je vais leur mettre le crit. Ok. Oui! Les dommages qui sont parfaits. La Vita qui va être perf, les amis, ça se passe hyper bien. Je suis si content. Je suis si content. Du coup, on va compter absolument tout le puits. Là, des fois, c'est un peu long à faire, mais là, il n'y en a pas tant que ça. C'est insane, les amis, ce qu'on a ici. Donc, j'ai 5,8 plus rien du tout.
est moins... Ah, c'est tellement agréable d'avoir d'avoir les restes comme ça. D'avoir l'historique. Là, j'ai moins 6 plus 0,4. 0,2 plus 1 plus 90. Oh là là, pourquoi c'est jamais sur mes items que ça se passe aussi bien? C'est quand même pas de chance, hein. Là, on a juste une dinguerie, hein. On va juste ravi. Évidemment, ça passe. Moins 10. Alors là, il nous faut une rune qui pèse 2. Est-ce qu'il a ça dans celle qu'il m'a fournie? Je pense qu'on devrait trouver. Allez, une réécrit, ça ira très bien. Hop, je pourrais mettre, en fait, je pourrais mettre 2 runini par exemple, mais si je fais ça, j'ai plus de chances de me taper du moins 11, voire du moins 12. Alors qu'avec juste une, je peux avoir juste moins 10 ou moins 11, et j'ai plus de chances d'avoir du moins 10. Donc c'est plus intéressant, voilà, j'ai le moins 10. Donc là, on a déjà perf vita, perf chance, c'est déjà une dinguerie. On va mettre le crit maintenant, parce que je sais que le crit est très capricieux. Ça peut bouffer du puits. Voilà, c'était on pouvait s'y attendre, moins 30. Je vais mettre la repère, allez, on va faire les choses bien, moins 6. On va mettre la passa, moins 9. Alors là, on est sur un truc, les amis, je vous cacherai pas que c'est juste une dinguerie. Moins 3. Écoutez, on va juste aller chercher le Fulini. Hein. Moins 15. 18 depuis. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est 6 tentas. 6 tentas sagesse. D'accord, que je me suis pas chié. C'est pas le moment de se tromper là, mais non, c'est bien ça. Ça aurait pu crit, ça aurait fait une dinguerie. Bah c'est prêt pour trans. Est-ce que par hasard tu serais pas d'accord pour me le vendre avant que de passer la trans? Je te le rachète, disons. Je sais pas, vous estimez à combien? Franchement le jeu est magnifique. Hein. C'est magnifique. Surtout qu'on a les 25 de prospection. Pour la première fois que je touche cet arc, les amis. C'est juste incroyable. Je pourrais même me régaler avec ma rune trans. Enfin ma signature sur ma rune trans. Franchement, ça régale. Puis il y a les 25 prospections qui font vraiment plaisir. Écoute, merci à toi de m'avoir fourni déjà du contenu pour le brisage et puis pour l'item. Franchement, je pense que je vérifie juste que je suis bien OK. Mais c'est que ça régale quand même, franchement. On a le perf vita, le perf chance, les 20 de haut. Et puis le perf prospection, bon, c'est un peu OSF, mais ça fait quand même plaisir. Bah, merci à toi, écoute. Du coup, full bénéf pour toi. Moi, je suis quand même assez content aussi parce que je trouve que le jet est très clean. Magnifique Tanta, oh, ça régale, regardez-moi, c'est magnifique, on va avoir le 100% perf. J'étais en train de me dire, bon, comment je gère les congruences là? Et regardez, j'avais 38 de sagesse, ça passe à 37 sur la chute du PM avec une rafo qui passe, et on va pouvoir même aller choper le full perf Vita à la pod. On peut, c'est pas sûr à 100% qu'on l'ait, mais on peut tout à fait aller chercher. On va tryhard, les amis, là c'est une Tanta magnifique, on a 89 depuis. Et ça passe en plus, il nous faut la pavie, elle est moins 1, moins 4... Il nous faut la ravie, ça passe, moins 10. Oh, je suis trop content, ça va être une tenta insane. Alors là, il faut un moins 5. Si j'ai un moins 6, par contre, je suis dans la sauce. Nickel. Oh, c'est si beau. C'est si beau. Plus 0,1. Allez, on le note pour le plaisir. Et le crit sagesse. Les amis, c'est une des plus belles tentas. Et le double crit. 75 depuis. J'ai même 3 depuis en rab. On peut même tenter un crit à la rune prosp pour gagner une tenta repère. Tenta de fou. Allez, on est juste après Noël. Peut-être que je vais me faire régaler par le jeu. On a 12 tenta repère sur full perf. Donnez-moi de la force dans le chat, s'il vous plaît. J'en ai besoin, là. Parce que ça commence à faire un peu longtemps qu'on est sur l'item, quand même. La vidéo sur YouTube va faire 4 heures, hein, je vous préviens. C'est absolument une dinguerie. C'est une dinguerie, je vérifie que j'ai absolument rien oublié, c'est magnifique. Allez, on va les faire une par une, on va essayer de bien cliquer sur fusionner. Allez, 1%, 2%, allez, j'aimerais bien avoir la tenta 3, s'il vous plaît. Je mérite. Bon, pour l'info, une full perf 3%, ça vaut à peu près 50 millions sur cet item, il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur Julith. Je vous avouerai que si je pouvais la réaliser au lieu de l'acheter, vu déjà le nombre d'heures et de camas que j'ai mis sur l'item, ça me ferait vraiment très plaisir.
Allez, il faut prendre son courage à deux mains. C'est ma deuxième tenta 3% full perf depuis le début du FM. On y croit, on va essayer d'être fort et de bien cliquer sur la rune. Oh, merci Dofus. C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait me faire. C'est vraiment parce que j'en avais marre en fait. J'ai ma liste de vidéos pour la FM en fait sur les playlists. Genre j'ai, je sais pas, 90 séquences de repassage PM pour cet item en fait. J'en avais un peu ras-le-bol. Bon, je suis très content que ça passe. Alors, c'est pas complètement fini, on a un peu fait le taf à moitié parce qu'il nous manque le PO à mettre. Mais ça doit faire 40 ou 50 heures que je suis sur le FM et j'en ai besoin sur un viable dans un premier temps. Et comme c'est pas de la rune trans, ben on pourra tout à fait remettre le PO plus tard. Donc dans un premier temps, je vais le laisser comme ça pour pouvoir le jouer sur un Yop Terre PVP. Et si après j'en ai besoin, par exemple, parce que je voudrais jouer notamment de l'Eka Flip Terre PVP aussi, bah sur l'Eka Flip j'aurai besoin du PO par contre. Donc si j'ai besoin après pour un autre mode, je remettrai le PO. Tenta très stylé, à 49 depuis. On peut aller chercher le Père Vita. Oh bah super. Bah oui. Ah bah ça valait la peine d'avoir 49 de plus si vous voulez. Ah, je me suis dit peut-être j'aurai un moins 6, moi je me fais bolos de A à Z, bah ça régale, bah, GG à tous. Ah, puis évidemment là ça passe, bon, ça n'a aucun sens. Hein. Aucun sens. Bah après le reste est ok, faut que je dégage 3 depuis. Parce que la rune chasse elle pèse 5. Hein. Rune chasse. Que demander de plus en fait? Que demander de plus? Non mais je vous ai fait croire que ça partait mal, mais en fait c'était sous contrôle. Évidemment, tout était sous contrôle. Il y a un mec dans le chat qui me dit bolos de A à Z. Eh ben non, c'est juste un coup de maître évidemment. En vrai, on va juste translater dessus. Hein. Bon, c'est pas hyper clean, encore une fois. C'est pour pouvoir faire du PVM au plus vite. Et de toute façon, tous mes items en fait je les fais par itération. C'est-à-dire que je fais un jet qui correspond près à ce que je veux. Et après, quand je confirme que je veux jouer le mode et que bah, je vais le jouer régulièrement, et bah, je retryhard un G un peu meilleur, un peu meilleur. Et puis c'est comme ça qu'à la fin, je me retrouve à lâcher 70 millions de Kama pour gagner un item qui a juste un de sagesse de plus que celui que j'ai déjà. Mais en fait, en itérant comme ça, on finit par optimiser ses stuff petit à petit. Et ça, voilà, ça, c'est une bonne façon de tryhard des gros G en FM. Mais d'avoir toujours de quoi jouer et de ne pas avoir ce côté où bah, mes stuffs sont pas faits donc je peux rien faire. Et là j'en suis un peu là par rapport au PVM. C'est-à-dire qu'en PVP j'ai des stuffs, j'ai des mods, bon pas sur autant de persos que ce que je voudrais mais je peux déjà colis. Par contre en PVM pardon, j'ai pas encore un mode PVM et je préfère me dire j'accepte des jets qui sont pas hyper beaux mais qui me permettent déjà quand même d'avoir un team qui est assez solide et après petit à petit j'améliorerai. Et là on est quand même sur un truc, bon si vous comparez HDV ça c'est un bijou hein, mais juste par rapport à ce qu'on peut faire en tryhardant. Voilà, mais vraiment les deux pouces, je m'en servirai très très peu et le reste est ok. Je suis un peu embêté par la Vita quand même, mais bon. Voilà, on en est là. C'est bien la dommage distance, je vérifie que je me suis pas trompé. Écoute, petite session Forge Magie sur Arc Chalaï. Parce que pour ceux qui ne savent pas, sur les armes, on peut avoir l'exo arme de chasse et passer la transe. Hein. C'est une petite exception. Normalement, la transe, on peut la faire que sur un item qui n'a ni exo ni over. Mais l'arme de chasse, c'est une petite exception à cette règle. Et évidemment, pour du PVM, pour un cac, c'est toujours mieux d'avoir l'arme de chasse, ça régale. Hein. Hop, si on veut voir le G, voilà, ça ressemble à ça. Valet ravi. 21. Je peux tenter ça. Il me faut un... Ok. Maintenant, je vais tenter. Il me faut du moins 6. Ah, putain, dommage. Évidemment. On va ravi. Et oui! Et oui les amis, on va juste y retourner en fait, regardez. Le beau jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Je suis juste le plus gros tryharder de GPerf du jeu, mais prouvez-moi le contraire en fait. Mais juste trouvez-moi un mec qui tryhard plus les GPerf que moi. Et montrez-moi, je vous dirai ok. J'en ai jamais vu en fait. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Non mais faut dire les choses au bout d'un moment. Hein. Petit bonus. Bon, on a ici une Saintouze, moins 1 Vita, moins 1 Sagesse, moins 1 Retrait PA, et moins 2 Dos Neutres, mais sachant que moi j'en ai besoin d'une, sans Dos Neutres et sans Retrait PA pour jouer sur mon Nuginak, mais malheureusement, 39 Sagesse c'est quand même chaud pour jouer en PVP sur un Érodeur. On va donc tenter, les amis, le cri de Sagesse, et si la Sagesse passe... On va déjà mettre le cri de sagesse. Le proprio de l'item voudrait mettre un PA, mais je pense que si la sagesse passe, je lui rachèterai probablement.
Allez, c'est parti. Il faut tenter le cri de sagesse, les amis. On y croit. Ça peut arriver à tout moment. Ah, j'ai du mal à cliquer. En vrai, on peut... Ouais, bon, là, c'est marrant. Bah, écoutez, si ça avait pu taper dans le retrait PA ou dans les donuts, éventuellement, ça aurait pu être encore intéressant. Ça se tentait, tant pis. Un peu plus. Dommage à 17. Ok, en vrai, c'est pas mal. Je vais quand même demander au proprio. Est-ce que... Parce qu'il me semblait qu'il m'avait dit qu'il voulait jouer avec, quand même, la cape. Moi, je serais d'avis à bourriner les pachas à 90. Mais s'il veut, je peux aussi lui faire un G97 de chance et un truc jouable. Donc ça, c'est... Ok, pacha, on est d'accord, il me dit pacha. GG à tous, hein. GG à tous. 2021, belle année pour faire de la forge de magie. Évidemment. Bon, ça, ça régale. Déjà, ça, c'est une dinguerie de ouf. Vraiment, c'est absolument insane. Du coup, maintenant, il me faut juste un moins 6 après l'over vita et tout va bien. Sinon, je peux faire comment? Je peux faire 21. Ah, non, il faut que je mette ravi et que j'espère avoir un moins 6. Tout à l'heure, j'ai eu des moins 6 quand je voulais des moins 5. Je peux même mettre autre chose qu'une rune chance, là j'ai pas spécialement besoin. Alors je vais mettre une rune inni, on pourrait essayer de faire des trucs un peu de trickster, hein, si ça marche pas. Vous inquiétez pas, on va aller chercher ce qu'il faut. Allez, la petite rune inni. Il me faut le moins 6. Yes les amis. Yes. Oui. Oui, c'est ça qu'on veut. Oui. T'as pas compté le puits, mais pourquoi compter le puits? De toute façon, on va avoir un G-perf, on arrête de FM quand on a le G-perf, les amis, mais bien sûr. Bon, on va compter depuis le début, on a 1 sur la première, hop. Là, on a plus 1. Là, on a moins 2. Là, on a rien. Là, on a plus 2. Plus 95. Moins 13. Plus 0,2. Voilà, c'est bon, j'ai compté le puits, 84,2. C'est insane, hein. C'est vraiment insane. Alors là, maintenant, on va juste mettre les runes dans l'ordre décroissant de poids pour maximiser les chances d'avoir des gros trucs. On va mettre la Pado maintenant. C'est la Pado, là, c'est celle qui peut encore défoncer tout. C'est ok. Moins 29. L'arracha. Moins 10, un petit crit, c'est cool. Je vais mettre une passa déjà. Je sens venir le crit. Mais non, j'ai un lag. Est-ce que ça va en mettre deux du coup? Non, putain, il y a une sauvegarde du serveur juste quand je mets la pacha, évidemment. Ok, bon, on va maintenant sécuriser le reste du G déjà, pour être sûr qu'on ait de quoi faire un truc bien. Là, déjà, j'ai moins 6. En vrai, ça, déjà là, ça peut être un peu tendax. Hein. Donc, on va mettre les repères déjà. Aïe. Moins 18. Il reste 12 depuis. On va mettre une esquive PM. Oh, il fallait vraiment qu'elle passe l'esquive PM, ça troll de ouf, non. Et le tacle, j'ai moins 11, il me reste 1. Je peux tenter une runinée. Je peux tenter une inée, si elle crit, j'ai une tartarépou. C'est le mieux que j'ai à faire. Hein. Bah là, je ne peux plus, en fait. Donc on va juste mettre une rune chance. Cette recette ne donne rien. Très bien. Ça peut foutre la merde, ça. J'aurais peut-être pas dû la mettre linée, en vrai. C'est une rune force. Faut que j'enlève à tout prix l'over. Enfin, l'exo. Une fois. Reniné. Non mais ça va le faire. On peut faire ça toute la journée, il n'y a aucun problème. Tant que ça ne tape pas ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, bah là du coup on a vraiment plus le puits. Hein. Je crois que c'est assez clair. Franchement, c'est pas trop dégueu. 90 depuis,
Bon, bah la vita affreuse, hein. Donc là, il va falloir vraiment chatter comme jamais. Donc moins 6, il me faut 2 moins 6 et 1 moins 5. Alors déjà, je perds 30 de plus pour passer à ma ravie, me demandez pas pourquoi. Donc là, ce qu'il me faut concrètement, c'est 2 moins 6 et 1. Ah oui, je peux y aller à l'INI. Je peux y aller à l'INI. Bon, il y avait des discussions là-dessus, je vous refais pas tous les débats, fallait regarder mes autres vidéos. Alors, tac. En vrai? Je peux sécure. Je peux sécure un 349 à la pod. Mais 349, c'est pas 350, hein. Bon, est-ce qu'on est là pour faire des G random en safe ou est-ce qu'on est là pour travailler du gros G? On est sur quelle chaîne, les amis? Oh là là, allez. Alors. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, regardez, hop, parce que là je fais ça, et après je fais ça, regardez, regardez l'astuce. Il y avait de l'idée, hein. Me dites pas qu'il n'y avait pas de l'idée, en vrai. Il existe un monde dans lequel ça passe, hein. Bon. On est sur quel jeu déjà? C'est, je sais pas, ça a l'air sympa en tout cas, c'est coloré. Des belles couleurs à gauche là, c'est stylé. Moi ça me plaît, hein, ça a l'air cool. Je clique sur des trucs, hein, je sais pas ce qui se passe. Me demandez rien, je ne sais pas ce qui se passe, hein, je ne veux rien entendre. Tout va bien, voilà. Donc, on va dire qu'on a. On va complètement ne pas parler de ce qui s'est passé. Et on va juste compter. Voilà, ça va être très bien. Vous inquiétez pas. Donc, là, j'ai, on va dire, moins 9, un truc comme ça. À la louche, hein. On n'est pas non plus obligé de compter trop bien. Hein. Voilà. Alors, on va dire que j'ai une tenta vie. Et 7 tenta res. On va partir là-dessus. Voilà, si vous voulez, c'est bien aussi. Non, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Évidemment, évidemment, bien sûr, m oui, mais c'est forcément. Aïe, 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 aïe. Ah, je crois que j'ai pas de modérateur de cause, dommage, parce que ceux qui me disent PM, j'aurais bien aimé les remettre un petit ban là. Hein. On ne met pas un exo PM sur Anytime plus PA, les amis. Un peu de respect pour le petit PVP quand même. Pas de ça chez moi, hein. Voilà, on va mettre, évidemment. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre. Reste distance, hein. Si je crée une reste distance là-dessus, en vrai, c'est pas dégueu. Ça peut se passer maintenant. Je peux encore essayer de me dire, j'ai une chance de casser le PA tout de suite là. 95 de puits, très belle tenta ici, avec les belles congruences. Alors, j'étais en train de me dire, ça régale vraiment l'ancien système là pour recompter le puits. C'est tellement pratique de savoir quelle rune on fait tomber quoi. Là, ça me sert vraiment beaucoup. Alors, on a juste la vita à gérer, donc on peut pas vie. Hop, ravi. Hop, moins 13 déjà. On va maintenant je la compte hein, parce que bon ça me rend une fois mais après c'est chiant. Donc là en fait ce qu'il me faudrait ce serait 1 moins 5, 1 moins 6 et une pod. Et en faisant ça. Allez non là il me faut le moins 6. Oh merde. Et bah là du coup je suis dans la sauce complète. Que faire? On va mettre deux lignes. Et on va espérer que ça fasse des trucs chelous avec, avec autre chose, genre de liné. Ça peut encore, hein, c'est archi bizarre, mais ça peut. Bon, bah voilà, j'attends, hein, j'attends. Dites-moi en fait, dites-moi si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Si vous voulez, on tryhard ou on tryhard pas en fait, au bout d'un moment. Bon, eh bah parfait. Alors je vais essayer cette fois-ci, parce que la dernière fois j'avais fin de tour stylé aussi, après j'ai pas compté le puits, donc là on va juste compter le puits en plus et ça va bien se passer. Alors on a plus 0, 2. Alors, attendez, déjà, ça c'est de la merde. Hop. Voilà. Quatre dini. C'est chelou ça. C'est 0,4 du coup. Plus 0,4. Plus 0,4 moins 5. Non mais très bien, hein. 70... Bon, je dois avoir ça, je dois avoir un truc dans le style, très bien. Hop, hop,
Hop. Et hop, moins 12. 65,6. Alors là, j'aurais bien aimé avoir une de plus. Hop, moins 10. 55,6. Bon, ça sert à rien de faire le bouffon. On va juste mettre 9 Tantarès. Je pense que ce sera quand même pas mal. Voilà, c'est là-dessus que je veux que le PA repasse, moi. Allez, les amis, petite tenta 3% full perf. On a vraiment, on a mérité, hein, on est allé la chercher. Ce serait oufissime que ça passe là-dessus, sur cette magnifique gestion d'Overvita. Pas passé. 88 depuis, les congruences sont bonnes. Va falloir overchance, ça va être chiant. Moins 13. Allez. En espérant que je ne me fasse pas encore bolos à l'arrachat. Ouais, moins 30. En vrai, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop. Moins 16. 29 de puits, évidemment. J'ai pas le droit d'avoir un de plus. Je ne mérite pas. J'ai eu quoi là? J'ai eu moins 2 et moins 1. Moi j'ai 26. Je pourrais encore tenter des trucs. Allez, c'est bon, c'est mort. Donc j'ai 4 tentas. Bah super. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je pourrais pas me contenter de d'un truc genre trans res distance ou res mêlée ou un truc dans le style? Je suis un peu abattu. Écoutez, je vais m'arrêter là sur l'item, c'est archi chiant. Je vais trans, je pense, et puis je verrai ce que je fais avec. De toute façon, je sais pas, je dois être à 15 tenta sur 3%, il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce qu'on fait? Pour quand même ne pas finir juste sur. Bon, c'est quand même du GPerf, pour PVP, ça peut être sympa. Avec trans, en vrai, ça peut être quand même intéressant. Bon, pour quand même que vous ayez pas regardé la vidéo au bout jusqu'au bout pour rien. Vous voyez à quel point je suis. Ça m'a fatigué ce truc. On va espérer qu'on ait plus de chance sur ça. Voilà, j'ai des bottes cœur saignant, celles que j'avais faites sur la vidéo que j'ai postée récemment là, où, vidéo de presque 2 heures juste de repassage PM. J'ai parfait 3% terre et j'avais pas repassé le PO parce que je pensais le jouer sur un Yopter et en fait je me suis encore chié. J'ai pas besoin d'un réperterre en fait. Du coup, de toute façon, il aurait fallu que je repasse le PU un jour. Hein. Dans tous les cas, j'aurais pas gardé ce jet qui est dans mon inventaire sur le long terme. Juste, ça m'aurait permis de PVP, mais bon. Il faut quand même repasser ce PO. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il y a deux façons de voir les choses. Parce que là, ce soir, ça a été abominable. Hein. J'ai eu une full unlock de ouf. On peut soit se dire, c'est une soirée de merde, il n'y a rien qui passe, il faut pas le tenter ce soir, ou on peut se dire, ça s'est tellement mal passé ce soir que ça peut que mieux se passer, vous voyez ce que je veux dire. Moi je pense qu'on va cliquer sur le PO. Je pense qu'on va cliquer sur le PO. Bon, c'est du full perf 3% terre. Pour ceux qui avaient un peu suivi, il y en a un qui a été fait sur Julith récemment, qui s'est vendu 50 millions. Voilà, c'est vraiment ça, c'est un item qui est très recherché, qui est vraiment full méta. En IRPerf 3%, ça se vend à peu près 35-40, et en full perf, on est à 50 millions, quoi. Donc, les amis, hein, on va cliquer, comme ça, si ça passe pas, je pourrais me dire que c'était vraiment une énorme soirée de merde, et que forcément, demain soir, ça se passera mieux. Et si ça passe, bah je me dis, ça me console un peu pour ma soirée. Voilà, l'item est signé, il y a tout ce qu'il faut.
Et là, par contre, si ça passe, c'est vraiment un bijou de ouf. Y a pas moyen de. Ouais. Allez, on clique. On clique ou pas? De toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'ai perdu tellement de kama et de temps déjà. Je suis plus à ça près. Aïe. Aïe. On peut théoriquement choper le perf. Mais je suis un peu inquiet plus par rapport au puits là pour le coup. Et il me faudra un petit moins 6. Moins 9. Hop. Hop, moins 9 encore. Moins 14. Trente et un. Et voilà. Ta prosp. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, va falloir aller chercher le 81. Hein. Voilà. Hop. C'est parti. Moins 10. Ok, on est bien. On est très très bien là, les amis. Tac. Tac. Oui. Ok, 75 depuis, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant qu'on fait des trucs. Let's go. Bon, si vous voulez, ça peut peut-être être le moment de remettre un PA sur l'item par exemple. Ah, je l'entendais plutôt en succès crit qu'en succès neutre, mais bon. J'ai cliqué un peu vite, la ravie est partie toute seule. Il aurait fallu deux pavis, deux pods pour full perf. Tant pis, on y va comme ça du coup. Ça fout un peu le seum, mais c'est la vie. Alors en parlant de sub, là on est bien aussi, hein, c'est nickel. Hop, hop. Bah parfait. Bah c'est bien ça. Bah par exemple, on peut faire ça, évidemment, oui. Oui, j'entends. J'entends. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 80 depuis, bon la Vita elle troll un peu, on va devoir s'en contenter. Moins 23. On va récupérer le petit tac. Alors, aïe. Tac, 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 tac. Non, mais je me régale, hein. Donc, moins 24, bah, super. Moi j'ai deux tantas, c'est parfait. Je dirais même c'est fait par. Merci pour le Prime, pour le resub, Michael Kyle, merci à toi. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce puits de mort? Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore le jeu en HDV et on continue ou. Qu'en pensez-vous? En vrai, 17 de puits, on peut pas vie. 2, 3, voilà. Moins 6. Quitte à mettre un gère une trans HDV. Je vais blinder les HDV de G que j'aurais fait. Hein. Ça c'est obvious, hein. Je le colle. Hein. Donc là j'ai 11. Moins 2. J'ai 9. Ah, parfait. 1, 2, 3.
Bon, bah ça part HDV. Je vais encore recrafter des bottes et je reviens. Il y a aucun problème, on peut faire ça toute la nuit, les amis. Ça m'éclate. Il y a zéro problème. C'est pas très beau, hein. J'irais même jusqu'à dire que c'est pas magnifique. On va y aller comme ça, regardez. Tac, tac, comme un bourrin. Hop. Et pourquoi ça crie tout le temps quand j'ai pas besoin que ça crie? C'est incroyable ça, en fait. Et encore! Mais ça n'a pas de... Mais je veux enlever mon overchance, en fait. Mais je dois faire quoi, en fait, pour perdre mon overchance? C'est pas vrai, ça. Tout va bien. Je suis un mec très calme. On va mettre ça. Voilà. La petite rune crit. Ah, ça aurait pu faire un truc cool, mais j'ai soudainement perdu tout mon puits. Bon. Non mais j'ai encore de la place en HDV si vous voulez. Ça va bien se passer en fait. Tranquille. 89 de puits, en vrai. Il y a moyen de faire un truc peut-être. On va garder la vita pour la fin. Ce sera plus intéressant. Ok, c'est une très belle tenta là. Moins 10. Tac. Mais c'est archi stylé ça en fait. Hop, moins 7. Faut que la ravie passe. Mais c'est magnifique. J'ai 11 tentas parce que j'en récupère une seule à Vita. C'est peut-être maintenant les amis. En vrai. C'est pas de chance. C'est pas de chance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les amis? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Donc, je me fais un petit Illizel Trans Vitalité avec évidemment la rune signature sur les runes trans que vous savez que j'affectionne particulièrement. Donc, ça, hop, c'est parti. Tac. Bon, voilà, c'est un Gébrise HPA qui est pas mal. Hop, et une sur le manteau de servitude. Même histoire ici, toujours avec la petite signature. Hop là, voilà. On est dans une sauce, c'est affreux. Au vrai, en vrai, en vrai, on est bien parce que là, les congruences, elles sont pas dégueu en vrai. Alors attendez, déjà, je vais compter. Bon, là, on est à 0, c'est quasi sûr. Moins reliquat, plus 5, plus 90, on a 95. Alors, il me demande le crit en premier. Ok. Mais ben, en vrai, on n'est pas trop mal, hein. Là, je pense que le meilleur call c'est Ravi into Do Air into Padopu. C'est ok. C'est pas mal du tout. On a moins 25 en plus. Padopu, hein, je pense. Hein. Non, il veut repair air d'abord, d'accord. Qui crit, ça régale. Moi, je pense que la Padopu, il faut la. Il me dit. Là, je mets les runes qui me demandent de passer. Mais moi, je pense que la Padopu, il faut la mettre. En vrai, on a à 72 de puits. Il faut la mettre quand il n'y a pas encore trop de choses sur l'item et qu'elle passe encore trop bien. Parce que sinon. Et voilà le crit. Mais en vrai, on est en train de faire une dinguerie là. On va faire un full perf en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est. En vrai, notre session d'exo là, elle est en train de partir en vrille complet. Et en fait. Finalement, on a 4 PA en 400 tenta, enfin en 390 tenta précisément. Donc en fait, on est bien, on est bien. Et on est en train de faire des dingueries en fait. Parce que là, au niveau des congruences, on peut aller chercher du full perf. Si on se fait pas troll. Ah, c'est le karma, j'ai ouvert ma gueule. Ah, ça, c'est vraiment un lucky.
Ça, c'est vraiment Unlucky. Désolé, j'ai parlé vraiment. Non, non, lui, il a aussi hurlé de joie dans le chat, hein, donc il n'y a pas que moi. C'est le double karma. On est deux responsables. Je ne porte pas toute la poisse sur mes épaules. En vrai, il faut qu'on passe le crit et les deux raises. En tout, en succès neutre, on a tout pile de quoi faire une tenta pour chaque rune. Ok. Les amis, il faut que les deux passent en succès neutre et on a un truc qui est bien. La dernière. Si vous voulez. Bon. Pour un mec qui voudrait mettre une petite rune trans pour jouer PVM en négligeant un peu les esquives PM, ce que je ne juge pas, qui suis-je pour juger? De toute façon, maintenant le PVM, c'est qui c'est qui met des gros coups de crit à 1800 de dégâts par sort, hein. Les esquives PM, tout le monde s'en fout maintenant sur la méta actuelle. Bon, je t'en dirai pas plus sur la méta. Ah, il veut tenter le crit par EPM. Je respecterai. Il se tâte à tenter la par EPM. Alors, après, une fois que tu as annoncé ça, il faut faire, hein, sinon après tu passes pour un fragile. Hein. Le chat, la pression sociale, attention. Hein. Il me dit go, je vais lui demander confirmation parce que là, quand même, bon. Je demande une double confirmation. Il m'a dit, ok, c'est confirmé deux fois. C'est bon. On y croit, ça peut. Franchement, est-ce qu'on pousse le grid? On a déjà bien chatté sur les trois succès neutres. Mais on peut tenter. Quatre-vingt-dix-neuf depuis. En vrai, je pense que je vais spam la pavie. Ok, moins 12. Tac, tac, tac. Ok, ça régale ça. Yes. Yes. On est bien là. Ça régale. 48, 6 x 8. C'est magnifique là ce qui se passe. Très très belle tenta. Elle est excellente, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'interrompt à chaque fois à un moment crucial? Il me troll en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde? Il me dit Mongol. Ah! Quoi? Ah, c'était des récris. Je vous promets que je voyais des réfeux. Je vous promets sur ma vie que je voyais des réfeux. Ok, go. T'inquiète, t'inquiète, mec, c'est fine. C'était une par écrit, elle n'est pas passée. Ça change absolument rien, t'inquiète. Du coup, les autres passeront mieux, c'est obvious. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tu vois, c'est parfait. C'est tranquille, regarde. C'est très beau. C'est très joli, non? Alors, PM sur 2%, je vais avoir du mal, mon coco. Il me demande un PM là, mais. Ah, ça, c'est jamais content, ces enfants, c'est incroyable, hein. Moi, j'aurais bien vu un petit 2% feu, 3 récris. C'était cool, en vrai. Ça passait. Ça passait large. Alors, vraiment, à ma défense. Alors, franchement, non, mais sans mauvaise foi. Sans mauvaise foi. C'est hyper mal fait leur interface à gauche de rune part. Enfin, je suis d'accord, c'est compliqué de faire mieux, mais il n'y a pas de barre de recherche en fait pour chercher la rune que tu veux, donc c'est un peu chiant. Et les runes sont toutes petites, et je vous promets que entre la répère feu qui est rouge comme ça, enfin rouge-orange, les répère feu, celle-là, là, vous la voyez là, et la part écrit qui est là, là, en vrai, il est tard, je suis crevé.
Je voulais aller me coucher. Je vous promets que c'est très similaire. Voilà. Très franchement, pas ma faute. Voilà. Il veut que du coup je fasse une par écrit. Ah mais non, je sais ce qu'il veut en fait. Il veut que je par écrit pour casser 1% raise et qu'ensuite je PM. Écoutez, on va écouter le roi, hein. C'est pas mon item, hein, si vous voulez. Moi je fais ce qu'on me dit. Hein. Let's go. Ah, pas de PM, c'est pas de chance. C'est vraiment unlucky. 91,4 de puits. On va avoir le perf sagesse, ça fait plaisir. Alors la vita. Double pod. Hein. Ok, on récup en plus. Plus 0,2. C'est agréable ça, dis donc. Ok, le crit. Succès neutre. Tac. Moins 8. 33. Est-ce que j'ai pas une petite rune qui pèse 3 là, en stock là? Petite. Oh, c'est une blague, j'ai que pas. Ah, j'ai pas inné là. Attends, pour une fois que je prends pas tout mon stock de runes. Oh, c'est relou de ouf! Bon, je solutionnerai ça. Bon. Bah écoutez, je vais en acheter, hein. J'ai le seum. J'ai le seum. Vraiment, je passe ma vie à prendre toutes mes runes, mais là, j'en ai trop pour mes pods en fait, et du coup, j'ai pas tout pris. On va se choper des petites. Petites pachas. Tac. Let's go. Tout va bien, les amis. Tranquille. On temporise. Voilà, c'est fini. Tout ça pour que ça passe pas, évidemment, mais. Faut toujours tenter, évidemment. Donc, Pacha. Voilà. Non, mais comme ça, on gaspille pas de puits, on est serein, vous voyez. Ça, c'est important, ça. Allez, une, deux, trac, tac. Et 2%, again. Et évidemment, le PA sur 2%, bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tous ceux qui me disent que j'ai fait le QI, non, hein, vous voyez, tout est bien passé. C'est pas de chance parce qu'on a échec le PA, mais il est quand même sur l'item, c'est vraiment. Ça va, on n'a pas trop échec, je pense. La forge magique est toujours ruinée, hein, vous inquiétez pas, ça change pas. Bon, est-ce que je tryhard un truc mieux ou est-ce que je prends ça en jet temporaire? Parce que j'ai d'autres items à faire et j'ai hâte de jouer mes nouveaux mods. En vrai. En vrai. Ou sinon, je mets un petit pourcent dommage sort. Me voilà bien sceptique. En vrai, je vais tenter dommage sort, je pense. Je vais tenter le dommage sort. Ce serait quand même dommage de s'arrêter à 2%, quoi, franchement. Bon.
Il y aura bien un jour où je vais faire ça et ça passera, hein. Ah, pas de chance. 95 depuis. En vrai, je vais tenter leur âge. Hop, voilà, c'est ce qu'on aime ça. Comme ça, je récupère au récri. Ça m'évite d'avoir un d'over dégueulasse. Enfin, pareil pour la Vita en fait, hein. Il faut que j'over partout comme un chien, là. C'est bon. Moins... moins 30. Pareil, il me faudra un moins 10 et pas un moins 11. Ok, ça c'est bien. Alors l'Intel. J'ai combien? J'ai 65 depuis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a un tel qu'un bourrin ou pas? Voilà, hein. Comme ça c'est réglé. On va mettre une rune sagesse. Ah non, on va pas du tout mettre une rune sagesse. On va mettre ça. On va mettre ça. Ok. J'ai 55 là. Moi je vais tenter une rune d'eau. D'eau élémentaire basique, deux poux. Allez. Dommage. 9 tentas du coup. Dommage, ça, j'avais dit. Hein. Let's go, les amis. Dommage. 95 depuis. Bon. Les réécrits, il y en a quand on n'en veut pas et quand on n'en veut pas, il y en a. Hein. C'est vraiment... bon. Ok, j'ai pas eu de moins 11. Je récupère le puits, je suis bien pour l'instant. Mais en vrai, c'est une fat tentant encore, ça. Qu'est-ce qui se passe, là? Tac. Mais... Oui. 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 Multiple de 6, parfait. Mais c'est magnifique. Yes! On a brisé la malédiction des 2%, les amis. Et ça régale. Et on a le PA. Bon. Bah, c'est reparti pour une tentative dommage sort. Ça passera un jour, hein. Je finirai par sortir des items comme ça, c'est obvious. En vrai, j'entends tout le temps, hein. Ah, pas passé. Tenta pas ouf. Allez, go la faire quand même. Et voilà le moins 26 dommage. L'autre fois, on m'avait dit qu'avec un dommage, on pouvait pas avoir moins 26. Et si? Et si on peut avoir moins 26, la première vidéo. Ok, donc déjà rien que pour ça, l'attentat est rentabilisé, parce que... Hein, on arrêtera de me prendre la tête dans les commentaires YouTube, et me dire, oui, t'as fait nimp, avec le 38, il fallait rune dommage plus pod, allez, hein, merci. Bon, bref, hein, les concernés se reconnaîtront, peut-être. Moins... J'avais dit quoi? J'ai reset mon puits comme un bouffon. J'avais 102,6... Ça va le faire, vous inquiétez pas. Moins 12, moins 20, plus 0,2. Tranquille, 78. Tac, 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 tac. Nickel, hein, tout ce que j'aime. Ok.
Bam, boum, moins 11. Page, 1, 2, 3, moins 9. 23,8. Allez, on va dire qu'on a 24, on va se le permettre. Tranquille. Regardez, non. On va tous y croire ensemble très fort et on aura 24. La malédiction des 2% en fait. Mais c'était obvious. C'était sûr en fait. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Bon. Est-ce qu'on aura petit un petit dommage sort qui va passer un jour quand même? En vrai, ça mettrait bien là-dessus. Eh non. 93 depuis. Bon, déjà là-dessus, on se fait pas trop ruiner, c'est bien. Évidemment, quand je vais à un moins 31, j'ai un moins 30, et quand je vais à un moins 30, j'ai un moins 31. Donc ça, en fait, c'est la vie que je mérite, c'est ça? Allez, c'est bon, on va pod, c'est bien. Un peu abusé quand même, hein. Bon, on a une belle tenta quand même, malgré tout. On a deux en rab. On peut tenter un crit à la réfix. Non, c'est mort. Bon, elle a dit tenta. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Vous noterez que quand je bois de l'infusion pendant que je clique, tout de suite ça marche mieux quand même. Vous en tirez vos conclusions, je ne dis rien. J'avais ça en fait sans PO et du coup on va retenter le PO parce que j'avais pas forcément besoin du PO pour le sacri, mais donc voilà, c'est un moins 1 chance, moins 3 INI, over 53 vita, mais il n'y a pas le PO. On va essayer de remettre le PO maintenant. Ah, alors attendez, j'ai un petit souci technique, c'est qu'il n'est pas signé à mon nom. Alors, ça vaut pas la signature sur une trans en termes d'escroquerie, mais ça s'en approche. Et je suis un expert là-dedans, hein, évidemment, vous le savez. Donc ça régale. Donc c'est parti, hop. La petite signature, le petit PO, et ça clique. Le PO est passé. Il est sur l'item, il est passé, on pourra rien dire d'autre. Bon, bref, ça c'était pour le fun. Hein. Bon, là on a un PM qui tombe sur un G assez haut, mais la vita elle est un peu tricky. On peut soit PM tenter le moins 21 à l'attaque, les pods, soit forcer la pavie. Je pense qu'on va forcer la pavie parce qu'on va on va déjà récupérer 3 là-dessus. C'est un peu technique, mais si ça passe, en vrai ça m'est bien. Ah, je sais pas en vrai. C'est honnête. C'est honnête. On fait pas grand chose avec 22 malheureusement. Il faudrait un petit crit. Petit crit, please. Bon. Reste 10. On va encore tenter un crit. On n'en fera pas grand chose du coup, mais... Bon. Crit. Ça a le mérite d'être stylé. Mais qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi ça me fait pas ça quand genre je fais des vrais jets qui ressemblent à des vrais jets en fait? C'est pas de chance quand même. Les amis, l'attentat qui revient d'une autre dimension là. Qu'est-ce qui se passe? Le cosmos, les planètes sont alignées là, on se prend des ondes ténébreuses là, qu'est-ce qui se passe? En vrai, si c'est pour que ça repasse pas là-dessus, c'est vraiment me faire un coup de chat pour rien. Par contre, si ça passe, c'est le 3% le plus what the fuck que j'aurais jamais passé, que ce soit bien clair. Non mais, je suis Forge Magicien en fait, je me présente, Grifox Forge Magicien. Qu'est-ce que vous allez me faire? Mais attendez, je vais compter le plus qu'on a quand même, parce que on a du coup, là on était à 10, là on a fait moins 4. Et là du coup, moins 4. Ah, il nous reste 2, ouais, non, c'est compliqué. Allez, il faut mettre un PA maintenant. Non mais si vous voulez, quand je fais de la forge magie avec les méthodes normales, on se fait bolos et il se passe rien en fait. Je mets des ravis, je perds 80 de puits pour faire un overvita. Du coup, faut faire des trucs un peu chimiques. Voilà, je fais des trucs chimiques moi. Si vous voulez, faut dire les choses comme elles sont. Là, on fait de la forge chimie en fait. C'est plus de la forge magie, c'est de la forge chimie. On fait typiquement des choses interdites, c'est... Voilà, c'est on expérimente ici. Pouf, mais c'est quoi ce puits de mort? Mais regardez-moi ça, en fait, regardez-moi ces lignes à gauche, là. Là, tu te dis le tacle, ok, après t'as res-o, moins 3, res-o, res-ro, 0, res-o, res-o, moins 3, res-o, res-o, moins reliquat, crit, ça passe, échec, le PM qui passe. Il y a rien qui va dans l'historique de FM, les amis. Il y a littéralement rien qui va dans l'historique. C'est n'importe quoi. Pas trop mal, ça. On peut faire tac. 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 Oui! Mais attendez, mais on a un bon jet, là. Mais what the fuck? Attendez voir. Alors là déjà j'ai plus 5,8 depuis. What the fuck, c'est quoi cette ligne de mort là? Je sais pas. Ensuite plus 45. Moins 6. Moins 10. Moins 20. Il reste 14 depuis en fait. On en est là. Voilà. Petit PO. Voilà. Il va me falloir une réponse, monsieur. C'est que des jets comme ça qu'on va faire, hein, des trucs, des dingueries. Ah, il me dit, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est ce que j'aime entendre, ça. C'est ce que j'aime entendre. Allez, PO, qui passe pas, pas de chance. Amulette, cœur saignant, moins 2 sagesse, moins 3 vita, 3% rester. C'est pas évident à faire comme item, on en avait tâté une récemment. PO là-dessus également, j'imagine. Hop. Pas de PO. Valet Vénard, j'ai archi lourd. Tant à PA là-dessus. Où sont mes runes PA? Elles sont là. Hop. Alors, celle-là, on l'avait encore jamais faite. C'est full bugué les interfaces et tout. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas le droit de tenter mon PA en fait. C'est ça le plan? D'accord, le. Attendez, j'avais mis laquelle? J'avais mis la 352 ou la 304? Parce qu'il y en a plein. C'était un PM qu'il fallait. Ah, c'était 52. Non, my bad. Il n'y a pas que le jeu qui est cassé, il y a mon cerveau aussi un peu. C'était un TPM. Non, mais c'est pour voir si vous suivez. Voilà, est-ce que vous suivez le chat? Bon, PM, ça passe pas, dommage. Ensuite. Non, mais le mec, il nous sort des jets tellement ouf que forcément, on s'y perd un peu, vous voyez ce que je veux dire. J'ai une excuse. Le PA, là-dessus. C'est des jets magnifiques qui nous sort. Hein. Chaque fois, c'est une irperf avec des petits overs. Regardez-moi ça, c'est si beau. Il manque 2 de sagesse pour avoir la tenta PA parfaite. Fra, dommage. C'est des dingueries. Des dingueries qui nous proposent. Encore une dinguerie, là. Regardez-moi ce jet. Sur pas de greffe. Il manque 1 de vita pour avoir la tenta parfaite. Fra, j'aimerais tellement pour lui qu'il y en ait un qui passe, en vrai. Magnifique lance-glours ici.
Moins 3 vita, moins 5 ini. Pas de PA. On a encore un pas de greffe en PM cette fois-ci. 140 vita, très très beau. Pas de PM. Je crois que c'est la dernière celle-ci. Petit overini, c'est du coup ça, c'est une tente à PA. Bon, si vous voulez, bon, on fait des petits jets quoi. Pff, vous savez, samedi soir, on fait des items tranquilles quoi. Voilà. On passe des petits trucs, si je puis dire. Bon, c'est une petite alliance Grosson, j'ai easy, j'ai random, voilà. Non, mais comment vous dire en fait? Bon, c'est magnifique, hein. Moins 4 vita, moins 1 de sagesse, over 2 d'ini, PA. Le mec me dit je t'aime. Merci, ça me touche. Bon. Ça a de la gueule. On va pas se mentir. On va prendre 2 minutes pour admirer un peu. On y est, les amis, on y est. On y est. L'orbe. L'orbe magique. C'est de la même. L'orbe, j'ai parfait. Bon, c'est bien, ça me servira pour un petit trans vita du coup. 600 vita. Et puis, je me referai un autre que je travaillerai en Exopéa. Bon, ça fait toujours plaisir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.